Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Necromunda mode histoire. On se retrouve pour le chapitre 9 qui s'intitule Ici c'est chez nous. On sent que ça va encore être du subtil. Après avoir réquisitionné avec brio l'ancien train, Bludvor et ses Roldy Boys continuent de progresser dans les entrailles de la ruche, bien décidés à atteindre l'artéothèque et à rappeler qu'ils sont à quiconque se mettrait en travers de leur chemin. Très bien, et bien voyons ça. Flint avait décidé de faire cavalier seul. Pendant ce temps, Bludvor et ses Roddy avaient atteint le dernier arrêt. Ce secteur du sous-monde s'appelait la vieille forêt. Un amas d'arbres généformés, censés filtrer l'air et fournir de la nourriture. Endroit parfait pour se cacher. Suite à la trahison de Flint et Tessera, mon dernier espoir reposait sur ces loyaux et robustes Goliath. Je comptais sur eux pour m'apporter l'archéothèque. Ils n'étaient pas réputés pour leur finesse, mais l'heure n'était plus à la subtilité. Ok, on démarre direct. C'est parti. J'aime beaucoup franchement la voix de Devos, je la trouve vraiment agréable à écouter. Par contre, j'ai un peu la gorge prise aujourd'hui, je m'excuse. Alors... ce saboteur dispose d'une nouvelle compétence lui conférant une protection contre les pièges et les ennemis utilisant la compétence surveillance. Par conséquent, le joueur en premier pourrait être un bon choix tactique. N'oubliez pas que cette mission nécessite que des combattants transportent les objets d'objectif. D'accord, on doit ramasser des caisses dans le train et on doit s'approcher du campement des Chokers. Donc c'est lui le saboteur. Ah, et il a des caisses effectivement à porter. Avec ses deux pistolets lance-flammes là. Le mécano, un petit pistolet mitrailleur et son canon. On a un mec avec un gros marteau, on a un sniper, ça a l'air d'être un genre de fusil d'assaut qu'il a, enfin, quoique, vu le gros canon, peut-être plutôt un bolter. Et le balèze, là, il a un gros bolter, un gros canon, je ne sais pas. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Donc là, on a des caisses à ramasser. Ramasser des caisses dans le train, très bien. Et ensuite, on doit se pointer probablement pour leur piquer la zone. Ici on a un sniper en haut. Alors bah, on va suivre ce que nous dit le tuto, on va prendre le saboteur pour voir. En plus il a une bonne initiative. Zeken, ah mais on le connaît lui, on l'a défoncé avec Ah oui, les Chokers, c'est eux là. On leur avait déjà fait la peau avec Tessera. Bon bah, on va se faire plaisir pour les renettoyer du coup. Ok, alors. Voyons à qui on a affaire. Alors du coup, lui il est ici, on a un truc qui descend là, qui nous permet éventuellement après de monter à droite ou à gauche, mais qu'est-ce qu'on va foutre avec nos caisses, c'est ça la vraie question. On aurait éventuellement ce truc là, mais il a l'air d'être cassé. Tyrolienne à réparer, notre mécano pourra s'en occuper éventuellement. Alors, ce saboteur dispose d'une nouvelle compétence tactique nommée préparation. Alors, voyons ça. Volonté d'acier, préparation. Plus 20% d'absorption des dégâts. Ok. Disparaît si l'utilisateur étourdi dure jusqu'à la fin du combat. Très bien. Et comme, du coup, qu'est-ce qu'il avait à tout saboteur, accélérateur d'adrénaline. Et les borgnes. Ok. Donc, du coup. Plus 35 de PA pour toutes les postures à distance et tirs précis, bon. On va lui faire porter des trucs, donc je pense que c'est pas forcément très très grave. Bah on va activer préparation, hein.
Vas-y, porte. Apportez ces caisses, les gars, on en aura besoin. On prend la tyrolienne. Aïe. Pas vu celui-là. On va se poser ici. On peut s'accroupir ou pas? Ouais, on peut s'accroupir. Et on termine le tour avec lui. On n'a pas déclenché de surveillance, donc bon. J'ai bien envie d'aller chercher le sniper qui était là-haut, là. Avec lui. Plus 10% de pression à distance avec les armes à distance à deux mains. Et il a moins de mouvement parce qu'il s'est fait couper la jambe. Ok, et il est parti où l'autre là? Il s'est barré tout derrière, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Donc là on a un cogneur et tout, mais s'ils veulent monter, il faut qu'ils aillent jusqu'ici. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on aura la position en hauteur, on sera plutôt pas mal. C'est quoi ce truc? C'est qu'il y avait un piège, c'est ça? On va prendre lui. Ok, donc son sniper va jouer du coup. Scan de terrain, très bien. Ah bah, elle se barre. Ouais, nickel. Et elle retarde. Ok. Plus surveillance, putain, toutes ces compétences qui s'activent là. Alors, construire borne de soins. Ouais, mais alors, pour l'instant, c'est pas trop le trip. Hein. J'aimerais bien qu'on répare ça. Voilà. Répare-nous ça. Merci. Alors, du coup, l'autre snipeuse, elle est là-bas. On voit sa zone de surveillance que jusqu'ici, bon, là, elle peut pas nous voir. Il y a une porte, très bien. On va essayer de longer. Ça fera une bonne planque. Détruisez les barricades qu'on commence à construire. Alors, détruire les barricades, déposer les caisses dans le wagon. C'est la porte pour endiguer les renforts. Utiliser une grenade à fusion. Ok. Elle est où la snipeuse? Elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau nous? On a une grenade à fusion. Est-ce qu'on peut la balancer pour toucher le mec? Je vois pas grand chose. Un petit peu plus loin. Voilà. Bah c'est pas mal ça. Allez hop. On détruit les barricades. Et la tronche du gars, j'ai envie de vous dire. Et on va s'accroupir ici. Hein. Ça me paraît pas mal. On a une bonne position en hauteur avec lui, ça pourra servir pour plus tard. Alors, est-ce qu'on prendrait pas notre sniper? Avec notre sniper, où est-ce qu'on peut aller? Si on veut retourner tout là-haut, il va falloir qu'on fasse beaucoup de mouvements, mais ça pourrait être intéressant quand même. Il faut qu'on pose les caisses là-dessus. Très bien. Et là-bas... c'est la porte pour endiguer les renforts. Ça pourrait être une bonne mission pour lui qui a une tyrolienne de la zone. On va prendre notre sniper et on va aller courir un peu. Alors, conseil de combat. Oui, ça c'est le truc qui fait que ça donne des bonus, c'est ça. Hein. Moins 10 PA pour préparation de terrain, moins 75 PA pour embuscade. Dure jusqu'à la fin du combat. Ah oui, en fait il y a effectivement, c'est pas le même que la précédemment. Du coup je pense qu'on va le mettre jusqu'à la fin du combat. C'est quand même très rentable pour lui là. Hop. Le cogneur, allez on trace. Est-ce qu'on peut arriver jusqu'à la tyrolienne? Il y a moyen, on n'ira pas beaucoup plus loin par contre. Est-ce qu'on peut regagner un point de mouvement?
vite fait. Bon, bah en attendant, on va se mettre là. Je pense pas qu'on soit en zone... non, on n'est pas en zone risquée. Par contre, on a... Non, mince, on a plus... on n'a plus assez de points d'action pour faire une surveillance, tant pis. Donc on va se contenter d'un scan de terrain et de s'accroupir. J'aurais bien voulu me mettre en surveillance, mais bon, on peut pas tout avoir. Alors, aura de garnison, d'accord. Il retarde, d'accord. 120 initiatives pour le prochain tour. Il va faire une surveillance, un truc du genre, non? Même pas. Bon, il va falloir qu'on commence à avancer, hein. Là, ils sont là. Lui, il est hors combat pour l'instant, encore qu'on pourrait poser ses caisses. Il y a déjà des bandes de soins à droite à gauche. Ouais, on va peut-être... bah, on pourrait monter aussi avec lui, en fait. Parce que mine de rien, les positions en hauteur, c'est quand même franchement efficace, hein, dans ce jeu. Donc, je pense qu'on va prendre lui. Ah, ils ont un cogneur avec des épées tronçonneuses, visiblement, qui se plantent dans les caisses. Ah, bon bah... ça s'est fait. Visiblement, il a un peu de mal à les détecter. Bon, bah, il fera rien, du coup. Bon, bah, ça va, lui. Pour l'instant, il va pas trop nous faire chier. Alors, on a une mise au point. Compétence tactique de mise au point. Qu'est-ce que ça fait de beau? Mise au point. 25% de pénétration d'armure. 300% de dégâts aux éléments destructibles. Et on a une compétence aura de précision. 25% de précision en mêlée, 25% de précision à distance. Bon, on va l'activer, vu qu'on n'a rien d'autre à faire avec nos points pour l'instant. Est-ce qu'on boosterait pas un peu lui? Non, pas ça. Ordre attaqué, ordre planifié. Ah, on avait une aura de précaution, j'avais pas vu. Ordre bombardé, ça fait quoi déjà ça? Moins 10 PA pour frappe jusqu'à la fin du tour. Ah non, pour l'instant ça sert à rien. Non. On va garder nos points parce qu'on va pouvoir monter là. Alors là faut qu'on longe pour pas activer l'autre là. Ah, elle est là l'autre. Elle est là elle. On est dans sa zone là. Hein. Ouais, on est dans sa zone. Je te dis, je prends des précautions, mais j'ai même pas de quoi faire grand chose de toute façon. Donc non, on va reculer, on va se mettre ici. On lancera notre grenade plus tard. Par contre, ce qu'on va faire, c'est un petit ordre attaquer. On peut plus faire un bombarder. On a de quoi faire un bombarder sur lui. Ouais, mais non, c'est des frappes, c'est de la frappe. Oui, c'est des PA pour frappe, donc c'est naze. Ça, c'était 25% de pénétration d'armure, mais c'est que sur nous. Non, on peut cibler les alliés. Ah mais ça doit falloir qu'on soit plus près. On va essayer de se mettre là pour qu'il ait l'aura de précision. Tant qu'à faire. Et on va lui caler un bon vieux attaquer des familles. Voilà. On s'accroupit. Comme ça on montre l'exemple en plus. C'est parfait. Je bois un coup. Alors, il m'a l'air d'avoir une espèce de lance-scie, on dirait qu'elle a un lance-scie, ouais. Par contre, elle bouge pas. Elle se met en surveillance. Donc ils vont nous attendre. Ce qui fait sens. Hein. Alors, nouvelle compétence tactique nommée Effort. Qu'est-ce que ça fait? 0 PA. Restaure jusqu'à 15 PM et 15 PA à la fin du tour, moins 10 d'initiative jusqu'à la fin du combat. Et plus 15 de PA pour toutes les compétences. Ok, ça permet de regagner des PA gratuitement. Par contre, après, on est fatigué, logique.
On a laissé des caisses, hein. Il va falloir qu'on revienne les chercher. Est-ce que je peux prendre cette tyrolienne? Merci. Et bon, pour l'instant, il faut déjà qu'on élimine quelques ennemis. Alors, je pense que ce qu'on va faire... Là, mon embuscade, elle va jusqu'où, là? Jusqu'en haut et quasiment jusqu'en haut. Du coup, on va se mettre un peu par là. Que nous dit la carte tactique? Qu'ils peuvent passer par là et passer par là. Ok. Pardon. Donc... On va s'activer une petite embuscade, ça ne coûte rien. Donc on va pas se gêner. Est-ce qu'on a des trucs intéressants? L'effort, non, la volonté d'acier c'était pour se soigner. Hein. Limite de une utilisation par combat, ouais, voilà, c'est ça. Donc on va attendre avant de l'utiliser. On va se contenter de s'accroupir au cas où on se fasse tirer dessus. Et on termine le tour. Comme ça, si quelqu'un se pointe juste en haut des pentes là, on va pouvoir le défoncer. Alors, on va jouer lui. Voilà, le sniper va jouer avant. Théoriquement, il devrait pas pouvoir avoir d'angle sur nous. Non, il bouge juste un peu pour faire une surveillance. Ça me convient. Si on peut bouger sans faire 3 mètres dans sa zone, normalement on devrait pouvoir se faire plaisir. Alors du coup, elle est là. Là, il y a Rosdag, Jockwell. On a quoi? Nous, on a des grenades avec lui, on a un barrage lourd et on a des grenades à fusion. Ok. Lève-toi déjà, commencez par ça. Donc là, il ne nous voit pas. Hein. Ah, on se faufile. Ces deux-là, ils sont trop proches. Enfin, ils sont proches, mais pas assez pour une grenade à fusion, je pense. C'est vraiment trop. On a la frénésie de la mitrailleuse, mais ouais, nos angles sont trop pourris. On peut toucher qui? Lui. Ah, on peut tirer sur Zeken d'ici à 69%. Pourquoi pas? Est-ce que ici on peut tirer? On peut tirer que sur les barricades là. On peut balancer une grenade pour péter cette barricade et cette demoiselle. Voilà. Et on peut se mettre en surveillance au cas où ça court un peu à droite ou à gauche. Hop là. Alors, on va essayer de venir avec notre sniper, du coup. Donc lui avait claqué un retardement, donc il a beaucoup d'initiative. Qu'est-ce qu'il va faire, du coup? Oh là là, il nous a mis une touche, une égratignure. Cet échec. En même temps, il devait voir le bout de notre oreille. Bon, bah au moins ils se sont rapprochés, on va peut-être pouvoir caler quelques grenades. Si on a ça dans notre inventaire. On a ça dans notre inventaire, parfait. Donc là on est d'accord que tu peux tirer sur personne, non. Donc tu vas te lever, hop. Alors, l'autre qui est en surveillance, on rentre dans sa zone, mais comme d'hab on va rester loin. Est-ce que je peux obtenir un tir d'ici? Probablement, non. Tendu, ça passe, ok. Alors, est-ce que là, tu peux balancer des grenades? Même là, ils sont trop... Ouais, on pourra jamais toucher les deux avec une grenade comme ça. Ah, c'est trop loin. Alors du coup, tu peux tirer. 25%, 20%, c'est un peu de la merde. Faut dire ce qui est. On va s'avancer là. Ok, parfait. 75% de chance contre toi, 100% de chance contre ça.
En fait, l'idéal, ce serait peut-être de pouvoir s'approcher du chef pour profiter de son aura. Alors, on récupère nos points. On longe ici. Est-ce qu'on peut s'approcher assez? Oui, on peut s'approcher assez. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir un tir? C'est une autre question, vu qu'on n'en avait pas avec l'autre. 58% de chance, la vache quoi. 25 ici, 46, 13. Ah, 100% ici, c'est mieux. Non, 42, c'est tout pourri. Bah dis donc, elle est plutôt bien planquée cette conne. Excusez-moi du terme, mais... Je trouve que pour un tir en hauteur... Elle est... Ah bah voilà, ça c'est fait. À un moment, il fallait l'activer, hein. Je sais pas si c'est notre arme qui a cet effet-là, là. On a quoi comme arme? Bon, on s'est fait tirer dessus de toute façon, donc... Alors, c'est quoi? Un bolter, chance de coup critique élevée, instable, 75 dégâts de moyen par attaque, 32 PA, moins 20% de précision. Ah ouais, forcément ça joue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Surveillance, doublé. Doublé, ça faisait quoi déjà? Plus 10% de coup critique. On gagne 25 PA en cas de coup critique. Ah bah ouais, on peut essayer, ouais. La tête, allez la tête. Ah, on n'a pas fait de coup critique. C'est l'échec. On peut s'accroupir, mais on va le faire, hein, vu qu'on peut plus bouger de toute façon. Et tant qu'à faire, on va recharger. Hop. Bon, on est un peu exposé là, hein, honnêtement. C'est un peu chiant. Alors, est-ce qu'on y va? Il a pas joué encore son cogneur. Par contre, on a déclenché la surveillance, donc je pense qu'on va plutôt se faire plaisir avec lui qu'en bas. Voilà, comme ça, si son cogneur veut venir, il est obligé de déclencher l'embuscade d'une autre. Ou alors il est bugué à mort. Ça a l'air d'être une option, visiblement. On a moyen de se finir Mikin là. Le cogneur planté, bon bah voilà, il est planté, hein. Alors du coup ici, on peut cette fois y aller sereinement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, je suis trop loin, pardon. Je me disais pourquoi je peux pas tirer, mais c'est que je suis trop loin. Aura de précision, alors là du coup. 96, 99. Bah ouais, on va l'allumer, hein. Et puis par un deuxième. Hop, voilà, ça c'est fait. Alors, en étant ici, j'ai encore moins de faire un ancrage, bah on dit. Donc là, je peux plus bouger. Mais je peux faire une petite surveillance, je peux tirer sur des trucs. Non, je peux lancer une grenade. Où est-ce qu'ils sont les cons là? Ils sont là et ici. Ouais, je peux pas les toucher en même temps qu'une. En même temps que la barricade, dommage. Donc on va se contenter d'une surveillance. Avec le laser. Main gauche, main droite, main droite. Hop. Alors du coup, on va pouvoir s'approcher maintenant. Encore que lui pourra très bien décider d'activer une surveillance. Ouf, ça pique. J'ai pas regardé c'était quoi son arme.
petit con. Hagen, il prend un peu cher, hein, le pauvre. Allez, on se lève. Alors, c'est quoi le plus court chemin? Si on veut choper lui, ouais, ici c'est plus intéressant. Ouais, c'est plus intéressant. En avant. On trace, on fait au plus court. Ah, on peut pas passer ces putains de champignons, on fait chier. On va essayer, si possible. On va défoncer lui. Parce qu'on a normalement. Ah, on a moins 15 PA pour frappe, mais c'était pas jusqu'à la fin du combat, visiblement. Conseil de combat. Ah non, c'était pour embuscade, pardon. Je me gourde de compétences. C'est l'autre qui a. C'est le chef qui a des trucs pour frappe. Qu'est-ce qu'on a? Frappe déséquilibrante. En cas de dégâts infligés, moins 35% d'esquive en mêlée. Ouais, alors j'imagine qu'il a. Ouais, il a aucune esquive en mêlée, donc on s'en fout totalement. Donc on cogne. Allez. Bam! Bon, 71, ça fait plaisir. On a peut-être même de quoi faire des trucs là, effort, cri de guerre, terreur. Ah, ça va toucher plein de monde ça, hein, c'est cool. Plus 25% de précision à distance, mais moins 35% en mêlée. Bon. On va faire ça. On peut récupérer 15 PA, ça nous en ferait 25, ça vaut pas le coup. On s'arrête là, on a mis une tatane, il est engagé. C'est déjà pas mal. Alors elle garde le point de renfort, il va falloir qu'on aille s'en occuper. Ouh. Elle décide de venir au front. Bon, ça va. Et elle descend du coup. Alors s'il commence à bien se regrouper, il y a peut-être moins de 2-3 grenades. Hein. Pourquoi pas. Alors avec lui on va avancer. Et après on posera nos caisses je pense. Alors du coup comment on fait pour poser les caisses? Lâcher. Hop, ensuite. Lâcher. Donc là par contre après. Ah mais du coup on a plus notre équipement en main. Merde. Ça c'est la tristesse. Par contre il a une grenade de fortune lui. Est-ce qu'on peut la caler de manière intéressante? Sans toucher. Yes, sans toucher notre gars. Hein. Je suis pas sûr hein, parce que ouais. Vu là où est l'autre. Par contre on pourrait peut-être même toucher l'autre qui est derrière. C'est pas mal ça. En plus on détruit une barricade, ça coûte pas cher. On peut faire un ancrage. Donc on va pouvoir équiper. On a quoi? On a un coup près brutal et un pistolet lance-flamme. C'est que des mecs. Non, il y a quand même l'autre au corps à corps là. Ça coûte 0 d'équiper. Ah bah ouais, une équipe hein. Hop là. Alors on peut faire un ancrage. Il nous restera un petit peu de points, suffisamment pour pouvoir s'approcher je pense. Alors est-ce qu'on peut caler un tir sur celui-là? Ça m'étonnerait. Ah si on peut. Après on a une autre grenade de fortune. Oh on peut toucher les trois maintenant qu'on a détruit la barricade. Ah bah go. Voilà, carrément mieux. On va s'accroupir au cas où on est éventuellement en tir, même si c'est vraiment limité. Alors voilà, ils vont commencer à nous déployer des renforts, hein, normal. Un sniper.
Ah, je crois qu'il venait main nue. Bloquez la route des renforts. Cramez tout s'il le faut. Cramez tout s'il le faut. On va activer lui. Ok, il se désengage. Non, il y a la frénésie de la mitrailleuse, hein, ça peut piquer. Ok, ça va. Ah merde, un ancrage. Ah, la surveillance, ça c'est pas cool. Alors nous, est-ce qu'on peut caler un ordre de bombardement sur lui là? Donc bombarder, on a dit, c'est bien. Moins 10 PA pour frappe, x 1. Mais c'est pas marqué que c'est... Si, c'est marqué que c'est cumulable, donc c'est cumulable jusqu'à 3 fois. On a aussi la mise au point qui fait de la pénétration d'armure, on a l'aura, donc on va faire un bombarder sur lui. 1, 2, 3... Alors ça fait quoi montrer l'exemple déjà? Formation, montrer l'exemple, moins 50% de PA pour frappe. Ouais bon ok. Pas hyper utile dans le contexte. On peut tirer sur personne. L'autre avec sa surveillance, il est où? Il est en dessous là. Alors est-ce qu'on peut tirer? Toujours pas. Eux ils sont pas assez près pour qu'on les touche d'ici. Oh! Sérieux, j'ai juste fait un pour activer mon truc et il m'a vu quoi. Alors que moi je peux pas lui tirer dessus. Sans déconner. Ah, c'est peut-être que j'ai plus assez de PA déjà. Vache. Je suis Twistess, hein, je ne vous le cache pas. Est-ce que je peux réussir à les toucher tous les deux là? La petite grenade là, je suis pas sûr. Hein. J'ai pas l'impression, eux c'est mort, mais eux il y aurait peut-être moyen, mais vu qu'ils sont trop en bas. Non bah tant pis, on va se placer de manière à ce que notre aura de précision soit actif. Alors je peux peut-être quand même caler un truc, ordre attaqué. Pourquoi ça me coûte aussi cher? Frénésie de la mitrailleuse, ah l'autre il m'a mis un malus, qui pour ça que ça me coûte aussi cher. On va mettre un ordre planifié sur lui pour qu'il puisse courir jusqu'à la porte de renfort. Ça va être son objectif pour ce tour. Quoi, je peux pas terminer le tour? Je suis pas dans une zone sûre. Ouais, je sais pas trop pourquoi, mais admettons. Alors, faut qu'on joue lui. Sinon il va se faire défoncer. Ok. Putain, Brax est en train de se faire défoncer la tronche. Ça fait chier. Bon, toi, d'ici, est-ce que tu peux tirer sur des gens? Là, là, à tirer sur elle qu'on a quasiment pas fait mal. Après, l'avantage, si on fait ça, c'est que si on s'en débarrasse, elle a pas encore joué. Alors que tous les autres ont joué en fait. Un tir au torse, un tir au bras gauche, beaucoup trop d'armure. Allez. Ah, on peut pas faire quelques critiques, sérieusement. Oh, l'esquive, 82%. On va se lever avec lui parce que
Il faut qu'il recule, sinon il se fait vraiment trop défoncer. Bon là, faudrait qu'on joue lui, hein. Ah, l'autre il joue trop vite, il va venir nous laminer. Il va peut-être venir laminer le saboteur, on va voir. Ok, il fait un cri. Et il nous charge. Ça va piquer. Ok, ça pique pas tant que ça. Ouais, mais il va pouvoir mettre plus de charge que ça. C'est des épées électriques qu'il a en fait, c'est pas des épées tronçonneuses. Mais il va nous défoncer quand même, hein. Aïe aïe aïe, s'il s'arrête là, ça le fait. Oh non, il a un ancrage, putain, ça va être tendu. Allez, fais quelques petites égratignures. Ah merde. Bon bah tant pis. Tant pis, tant pis. C'est la tristesse. Alors du coup, faut qu'on joue lui. Il joue avant la mécano, son embuscade elle va jusqu'où là? Putain, il nous voit là. Essayer de pas détruire le pont. Est-ce que je peux vraiment pas réussir à choper les deux là? Bon, tant pis. Il faudrait vraiment qu'on arrive à se débarrasser de mécano après. Donc là, il nous reste une grenade de fortune. On va pouvoir faire un ancrage, donc c'est pas trop un problème. Donc on va essayer de faire mal à ces deux-là. Là. Petite grenade au centre, là. Voilà. Et après, un ancrage. Et on va caler une surveillance. Comme ça, si l'autre a envie de s'approcher un peu trop, on est capable de lui faire mal, même si c'est pas dingue. Bah, je l'avais oublié lui, tiens. Au moins, sa surveillance aura servi. D'accord, hein. Il peut rester bien assez loin. Sans surprise, hein, ceux qui sont en bas se font défoncer. Alors du coup, on va pouvoir choisir lui. Donc le sniper va jouer avant nous. Elles sont longues les missions, vache. Alors, elle vient jusque là, bah, c'est le truc qu'on veut prendre nous, hein, donc Ah mais elle a équipé une épée, sérieusement? Sniper à l'épée quoi. Bah très bien, si t'as envie, moi je suis pas chiant. Alors, avant toute chose, toi, est-ce que là tu peux pas caler une grenade? Non, mais tu peux caler un tir. Non, tu peux pas caler un tir, putain, sérieux quoi. Alors, où est-ce qu'on veut aller? On est ici, on a un truc là, on a un truc là. Celui-là est plus proche, je pense. Donc bah du coup on y va, hein. Allez, c'est parti. On a nos PM bonus. Donc on va tout de suite aller s'occuper des renforts parce que sinon c'est un peu la merde en bas. Voilà. C'est bon, plus personne ne viendra. Et puis bah on va se mettre ici en surveillance.
Donc si quelqu'un a envie de venir nous faire chier, on l'allume. Il nous reste 5 PA, donc on va s'accroupir. Hop. Alors, ce qu'il faut, c'est que toi, tu joues en premier. Alors l'autre, il est toujours en embuscade, là. Si on passe par là, on doit voilà, pouvoir s'approcher à peu près en sécurité. Est-ce qu'on peut caler un tir sur les deux, là? Oui, on touche les deux, là. Hein. Ah, on a fait une égratignure de l'autre côté, putain. La tristesse. Allez, on est reparti. Faut qu'on le bute, là, le mec derrière, là. Arme gauche à cure de munitions. Ah, merde. Un ancrage. On rechargera après. Il faut faire gaffe à ça, parce que du coup, je crois qu'on a cramé des points pour rien. Oh, mais il veut pas mourir. C'est un truc de fou. Crève. Quand même. Bon bah du coup on est complètement à sec. C'est complètement la tristesse ça par contre. Alors elle est où elle? Ok, fait un tir précis. Bon, j'ai essayé de me mettre un peu derrière les caisses mais clairement sans grande conviction. Ah mais Jackwell qui est quasiment mort, faut qu'on le bute, faut qu'on regarde combien d'initiatives il a et qu'on arrive à le finir avant qu'il joue parce que... Ok, elle s'accroupit. Drezika serait cool s'il survivait, il pourrait porter les caisses. Quitte à ce qu'on le fasse à la fin. Alors, Jackwell, putain, il a 100 d'initiatives, on a personne qui a autant d'initiatives, fais chier. On va prendre lui. Ouais, non, il va le jouer. Ah, puis lui c'est un destructeur, hein. On a vu là. Ah non, il se met en embuscade. Oh, oh là là, c'est bon ça! Ok, il faut qu'on le finisse. Est-ce qu'on a un angle? Il est où? Il est juste là. Alors, on voit qui? On voit lui, lui on le voit pas. Cible non visible. Tu te fous un peu de ma gueule. Mais bon. Là, cible non visible ou pas? Putain, c'est une blague quoi. Avec le tir précis, non plus. Et si on lui balance une grenade, elle est toujours non visible ou pas? Oh mais oh, c'est bon. Suis les conneries. Alors, Zeken, mon ami. 98% pour le tir. On prend. Tiens, mange. On n'a plus de munitions. Bon, on se replie. Ok, un mort, c'est déjà ça. Maintenant il faut qu'on arrive à le protéger. Zeken qui reste un PV, parce qu'après tout pourquoi pas, c'est cool. Où est-ce qu'il va? Il va chercher les caisses. Oh! Il s'est fait buter par le fief. Ah la vache! Ce coup de moule. Probablement que il devait essayer, peut-être qu'il y avait un truc, genre s'il arrive à activer cette porte là, il y avait peut-être d'autres renforts qui s'activaient, une connerie du genre, je ne sais pas. Bah quoi que non, ça va vers là. Je sais pas ce qu'il foutait. Bon bah en tout cas il est mort. Ah il voulait peut-être la borne de soins. C'était peut-être ça. Alors, toi. Voilà, ça commence à aller mieux là. Donc il reste l'autre là. Il va falloir qu'on se prépare à la choper. On peut lancer une petite grenade déjà pour la travailler au corps. J'aurais
peut-être dû me mettre en surveillance. Ouais, ça aurait pas changé grand chose parce que de toute façon, ok, elle reprend une arme de tir. Un scan de terrain, très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle me tire dessus avec son grappin. Aïe. Un autre tir. Bon, lui, il va se replier chercher les caisses, très très clairement. Ici, on se lève. Jacques Alia, elle est là-bas. Alors, pour y aller, le plus court. Le plus court, c'est de prendre la tyrolienne et de lui tomber dessus, je pense. C'est pas pour rien que l'IA le fait. Hop. Non, l'autre. Voilà, voilà. Donc là, alors je peux peut-être lui tirer dessus ici. Non. Est-ce que je peux sauter? Sauter. Voilà. Et là, du coup, cible trop proche. Ah bah oui. Alors si je recule jusque là. Ok, là c'est bon, on peut lui tirer dessus. Bon, on est à court de munitions de partout, faut qu'on recharge. L'autre main, un ancrage. Alors là, du coup, je peux recharger l'autre main, je peux construire une borne de soins, ça sert à rien, faire une réparation de terrain, ça sert à rien. 15 PA pour tirer, 20 PA pour un tir précis. Ouais, 86% à quasiment bout portant, c'est tendu du string. Qui c'est qui est le plus rapide? Alors c'est lui qui est le plus rapide, mais malheureusement pas assez pour elle. Donc on va espérer que plutôt que de tirer sur Drezika, elle va tirer sur quelqu'un d'autre. Ah, elle va essayer de choper la borne de soins peut-être. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle se met plus ou moins en sécurité. Aïe. Elle se met en surveillance. Ah, la tristesse, la surveillance, quoi. Du coup, toi, t'avais un truc pour les surveillances, non? Préparation, absorption des dégâts, plus 60% de points reçus. Capsule cryogénique, volonté d'acier. Alors déjà on pourrait caler un petit truc comme ça pour se soigner un peu. Ensuite une absorption des dégâts. Alors, déjà on gagne 50 PV, ça fait plaisir. Après on se prépare. Ah on a tellement de... On peut même pas bouger en fait, j'avais pas fait gaffe. On a plus que 10 PM quoi. Bon, on va recharger une de nos armes, tant pis. Et on va arrêter de passer le tour, au moins on s'est soigné, c'est toujours ça de prix. Alors, l'autre, Jacques, elle est là. À toi, mon gars. Est-ce que t'as une volonté d'acier, toi? Oui. Et on la voit pas. On va lui jeter une grenade dessus. Voilà. Parce que pourquoi pas. Allez, on peut faire un ancrage, remarque. L'arme ne dispose pas d'assez de munitions. Ah merde, j'avais oublié ce détail. Bon, on va pas pouvoir tirer du coup. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. On va quand même pouvoir faire un petit scan de terrain. Donc on va reculer pour éviter les coups gratos. Oui, j'ai passé le tour. Voilà. Allez, faut que ça se termine.
Donc on va prendre lui. Alors il faut qu'on bute les barricades avec lui. On va pas se gêner. Allez hop, c'est parti. Voilà. Pour l'action insuffisant. Ancrage. Seulement 60%, vous êtes sérieux? Et on est enrayé, c'était prévisible. Est-ce que je pourrais faire un... Ouais, c'est pas très grave ça. Sauf si ça m'empêche de faire ce que je voulais faire, mais je pense pas... Ouais, de toute façon, non, mais merde, j'ai plus assez de points en fait. Ok, accroupis-toi. Putain, ils sont tellement tous handicapés avec leurs bras en moins et tout là. Ça devient compliqué, hein. Allez, ici on va essayer d'aller finir l'autre qui se planque. Alors, est-ce que t'aurais pas une petite grenade à balancer dans cette barricade qui est devant nous? Voilà, merci. Allez, allume-la. Voilà, merci. Faut pas nous emmerder, exactement. Alors, du coup, on peut plus sauter parce qu'on a trop de points. Donc on va faire le tour et aller chercher les caisses. Alors lui il peut en porter qu'une, mais au moins ça sera toujours ça de prix. On va s'arrêter là. Bon, alors la suite ça va être de la course pour chercher les caisses. Donc voilà, on va faire ça vite fait. Je veux pas vous arrêter là parce qu'on va voir la petite cinématique de fin quand même. Ce serait cool. Allez, pose ton matériel de campement. Il faut s'installer avant que d'autres minables ne débarquent. Et on est reparti, on court, bon on va encore pas très loin, mais on court le plus loin qu'on peut. Est-ce qu'il nous reste des barricades à détruire? Une. C'est pour toi. Réparation de terrain. Vu que t'as réussi à enrayer ton gros bolter là. C'est bien un bolter, hein. Bolter lourd, ouais, c'est ça. Alors, elle est où la dernière barricade? Elle est là. Ah oui, bah c'est celle que j'ai tiré dessus mais que j'ai pas pu la finir. Allez. Vous avez réduit les barricades en miettes. Faites pareil avec eux. Excellente idée. Ça s'est cassé. Voilà, normalement là on devrait envoyer suffisamment de personnes. Alors malheureusement on peut pas prendre la... On a pas assez de points pour prendre ça. Allez, le mécano... Il peut plus rien tirer, il peut plus rien faire, mais c'est pas grave parce qu'il n'y a plus personne à tuer. On prend ça. Alors, il nous reste une caisse ici, de là, c'est parfait. Toi, tu prends ça. Transporter sur ta main droite. Voilà. Tu prends la tyrolienne, tu repars. Alors c'est là-bas. Parfait, il a même pu faire l'aller-retour quoi. Que demande le peuple? Allez, est-ce que tu peux te dégager de là? Non, tu peux te pousser un peu. Ah merde, dans une zone sécurisée. Toi, mon cher, tu vas te mettre en couverture. Parce que après tout, pourquoi pas. On n'est pas à l'abri d'un événement à la con de dernière minute. Et donc c'est toi qui prends la main. Donc lui il a deux bras, il va juste devoir laisser poser son arme, c'est pas hyper grave.
Bon, je pense pas qu'il pourra faire l'aller-retour par contre. Transporter. Et transporter. La tyrolienne. Ah, il lui reste encore quand même pas mal, hein. Ouais, non, ça part beaucoup trop vite. Je sens qu'on va être arrêté à 20 cm de la zone. Exactement. Bon, bah alors, du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser tes trucs pour les poser. Aucune cible dans la zone d'effet. Où est-ce que tu peux les poser? Tu peux les poser là? J'ai l'impression que c'est buggé et c'est je peux le poser que sur ses fesses là. Oh là là, je vais être obligé de faire un tour de plus à cause de ça, vous êtes sérieux? Ouais, vous voyez là, on voit la caisse là, moitié dans ses fesses là. Et je ne peux du coup pas la poser. Et bah du coup il va falloir passer le tour et puis y rejouer. Allez hop. On passe le tour. Allez à toi. J'espère qu'il n'y a pas une limite de manche parce que s'ils me disent ah vous avez mis trop longtemps. Je crise. J'espère aussi qu'il va pouvoir les poser dans la zone, parce que si on perd la mission à cause de ça, ce serait un peu la tristesse. Allez, s'il te plaît. Bouge tes grosses fesses. Ah putain, je peux pas les poser, vous êtes sérieux? Bloodvore peut pas poser les trucs qu'il porte, quoi. C'est abusé. Il me semble avoir entendu parler d'un bug. Oui, il me semble que c'est vrai. Maintenant que j'y repense, j'ai vu passer un bug où on peut pas poser les objets quand on a. Oh non, fait chier. Quand on a une aura activée en fait. Oh là là, c'est la tristesse. Je peux pas enlever mon aura. Oh là 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 là. Bon, eh bien, on l'a dans l'os pour cette mission. Et hop, on se retrouve pour la mission 9 de Necromunda, toujours en mode histoire. On était planté la dernière fois à cause du bug qui nous empêchait de déposer des trucs à cause de l'aura. J'ai testé, ils ont sorti récemment là une branche bêta avec pas mal de fixes, donc je me suis dit que j'allais tenter au cas où. Et ça marche, on peut maintenant poser avec nos auras. Alors par contre, c'est une branche bêta, donc j'espère qu'on n'aura pas d'autres en merde. Et je pense qu'une fois qu'on est dessus, on est plus ou moins obligé de se la taper jusqu'au bout. Comme des habitants de la Spire. Mais on verra. On va terminer déjà cette mission. Et c'est une victoire écrasante, hein, sans surprise, hein, si vous avez vu l'épisode précédent. Aidé de ses fidèles Rowdy Boys, Bloodvore fortifiait les défenses de son nouveau camp et explorait les environs. Les Chokers devaient accuser le coup. Après tout, deux gangs de niveau supérieur venaient de s'emparer d'une partie de leur territoire. Ils devaient riposter au plus vite. S'ils ne voulaient pas que le Cerbère en profite pour les attaquer. Ici-bas, c'est la loi du plus fort. Euh,
Et du coup, bah, on va s'arrêter là, hein, puisque je calerai cette petite fin de mission en montage, au montage. On fera la mission 10 du coup lors du prochain épisode. N'hésitez pas du coup de nouveau à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.